Bonjour. Je m'appelle Geneviève Clavel. Je suis enseignante, donc sur le terrain, dans les écoles. Je suis enseignante à la commission scolaire des Sommets, qui est située en Estrie, une très belle région. Et puis, donc, je suis venue vous parler de la communauté de pratique qu'on a instaurée dans notre commission scolaire. C'est parti. Une petite mise en contexte sur la région où je travaille, les écoles où je travaille. Je travaille à Stansted, ici en bas, qui est collé sur les lignes frontalières. Et je fais partie des écoles éloignées en réseau, qui est chapeauté, projet qui est chapeauté par le CEFRIO. On va peut-être en entendre parler cet après-midi. Et donc, je travaille en collaboration avec trois enseignantes qui viennent de cette école-ci, Asbestos, à l'autre bout complètement de la commission scolaire. Et pour se rendre d'un endroit à l'autre, ça prendrait une heure en voiture. Donc, si ce n'était pas des technologies, de la communauté de pratique, des courriels, tout l'aspect technologique, on ne pourrait pas faire ce projet-là ensemble. On est quatre enseignantes et on travaille donc avec le projet nutrition qu'on a vu tout à l'heure, avec Félix le détective puis Leader Academy. Donc, au deuxième cycle, on travaille avec le programme Félix le détective. Et donc, si ce n'était pas des technologies, on ne pourrait pas travailler ensemble, on ne pourrait pas aller exporter nos documents d'une école à l'autre, ça n'aurait juste pas lieu d'être. Donc, la communauté de pratique, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme virtuelle, donc sur Internet, un endroit où les professionnels de la santé et les enseignants peuvent travailler ensemble, peuvent se réseauter pour s'aider dans les différents projets. À quoi ça sert? Parce que c'est bien beau de l'avoir, si on ne sait pas s'en servir ou si on ne comprend pas l'utilité de l'avoir, ce n'est pas très utile. Donc, ça sert à se réseauter. Tantôt, j'entendais rayonnement, décloisonner, tout ça, ça sert à ça. Ça sert à s'utiliser les uns les autres, utiliser nos forces, les forces de chacun. Donc, briser l'isolement, travailler en équipe, avoir accès plus rapidement et un accès plus efficace à vous et vous à nous aussi pour qu'on puisse travailler en équipe. Donc, ça sert à faire autrement pour mieux faire. On trouve qui sur la communauté de pratique? Mais on trouve, sur notre communauté de pratique, on trouve les intervenants, les professionnels en santé qui travaillent dans ma région, donc dans les régions de notre commission scolaire, devrais-je dire. Et on retrouve tous les enseignants, les enseignantes qui sont intéressés à participer à un projet en lien avec la nutrition. Ça peut être celui auquel je participe, mais ça pourrait en être d'autres aussi. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur notre communauté? Bien, on retrouve un espace forum pour discuter tout ça, un endroit pour partager nos documents. Donc, les hygiénistes dentaires peuvent aller déposer des documents auxquels moi j'aurai accès, ou même chose pour les infirmières scolaires ou les nutritionnistes ou tous les autres professionnels. Donc, il y a une liste des membres aussi avec les courriels de chacun. Donc, c'est facile d'être en contact puis de se communiquer ensemble. Il y a un endroit pour mettre des signets utiles, que ce soit des sites d'activités pour les enfants ou des trucs un petit peu plus pour les enseignants ou même pour les parents. Puis, il peut retrouver bien plus. Tout à l'heure, quand je pense que c'était Maude qui parlait des infolettres, bien ça pourrait se retrouver aussi sur la communauté pour que tout le monde puisse y avoir accès en même temps. Je vais vous parler des exemples de collaboration qui ont eu lieu avec la communauté de pratique. C'est des exemples tout simples que j'ai puisés dans l'école où je travaille. Donc, ce n'est pas exhaustif, ça ne dénombre pas tout ce qui peut être fait. Mais c'est juste pour donner quelques exemples. Au préscolaire, il y a deux classes de mon école qui ont travaillé ensemble à monter, ils ont fait une présentation sur des collations santé. Les deux classes sont côte à côte. Il y a une porte qui communique, mais elles ont choisi de le faire par visioconférence pour que les enfants puissent avoir accès à cette technologie-là. Donc, les enfants étaient tout illuminés de voir dans la télévision ou sur l'écran les amis qui sont dans l'autre classe à côté. Là, ils riaient, ils s'entendaient rire, ils trouvaient ça fantastique. Dans les équipes du premier cycle, il y a eu un atelier nutritionniste qui est venu à notre école pour faire un atelier sur le goût. Et puis, l'atelier était vécu dans quatre classes en même temps, donc la classe de mon école, mais trois autres classes aussi, où les enseignantes étaient allées acheter les mêmes aliments que l'enseignante dans notre classe. Et tous les élèves, les 80 élèves peut-être, ou les 60 élèves, faisaient l'activité en même temps, ce qui a permis de faire une rétroaction directe après avec les élèves. Dans ma classe au deuxième cycle, avec les trois classes avec lesquelles je travaille, on est parti en peur et on fait un projet. Là, chaque élève, on s'est rencontrés par visioconférence pour se connaître un petit peu. Là, on fait des recherches. Les élèves font des recherches sur chacun un pays,
différents. Bien, il y a des pays qui se regroupent, mais sur un pays, un fruit de ce pays-là et un légume de ce pays-là aussi. Donc, ils vont, par visioconférence, pouvoir raconter ce qu'ils ont ramassé comme information. On va aussi aller, les élèves de ma classe vont aller dormir à l'autre école pour présenter le fruit de leur recherche. Et là, on s'enligne pour avoir peut-être une présentation d'aliments ethniques ou un souper ethnique qu'on voudrait faire pour aller en lien avec le thème qu'on a travaillé. Donc, c'est un très gros projet et les élèves sont emballés, évidemment. Les avantages que ça offre, c'est sûr que ça offre des économies sur les frais de déplacement. C'est non négligeable. Si une nutritionniste vient à mon école et qu'elle n'a pas besoin de se rendre dans les trois autres écoles, mais ça économise des frais. Si ça économise des frais, ça veut dire que peut-être qu'elle va pouvoir en faire plus dans d'autres écoles parce qu'elle n'aura pas à dédoubler les activités. Ça fait aussi une meilleure accessibilité pour nous, à vous, parce que vous pouvez venir, si vous en faites moins, parce que vous les faites par visioconférence, peut-être que vous allez pouvoir en faire plus et la liste d'attente va être moins longue. Ça donne accès à l'expertise de chacun, ça nous fait travailler en équipe, ça permet, comme je le disais tout à l'heure, des rétroactions plus rapides, plus efficaces pour les enfants et pour nous. Donc, qu'est-ce que ça prend pour être membre d'une communauté ou pour faire partie d'une communauté? Ça prend la volonté de faire autrement, c'est sûr. Ça prend du temps d'organisation pour la bâtir, cette communauté-là. Ça prend aussi du temps reconnu pour faire le suivi, pour nourrir les forums, pour ajouter des choses. Ça prend des animateurs, donc des personnes pivots qui vont être capables d'aller déposer des trucs sur la communauté, mais qui vont aussi être capables d'aller former les gens de la communauté pour amener l'autonomie à déposer soi-même ces trucs. Il faut cesser d'avoir peur du changement, ça c'est sûr, et il faut y aller par petites bouchées, par petits pas. On va essayer de faire ça rapide, il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc nous, on y a accès par le site de la commission scolaire. Il faut que j'entre mes affaires. Oh, j'ai des nouveaux messages. Donc, il y a, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs communautés. J'en ai une pour ma classe ici, j'en ai une pour l'école. Ça, c'est la communauté ici qu'on a créée pour notre projet, mais celle que je veux vous présenter, c'est la communauté nutrition. Donc, juste, il y a un rapide mot de bienvenue, juste pour vous montrer que c'est tout simple. Le forum qui serait ici, qui pour l'instant peut utiliser, c'est embryonnaire. Nous, on l'a bâti cette année, ça a été monté cette année. Donc, on commence à l'apprivoiser aussi, on commence à l'utiliser de plus en plus, mais dans le partage de fichiers, juste pour vous donner peut-être une petite idée de ce qu'on peut retrouver. Ici, là, les équipes, bon, là, je vais y aller avec le deuxième cycle parce que je sais qu'on s'en est servi, mais nous, on est allé déposer nos fichiers qu'on voulait se partager, les photos de nos élèves, tout ça, on a fait ça à même ce site-là. Les signets web, moi, je m'en suis servi. Sur ça, j'ai trouvé le guide alimentaire, toutes sortes d'activités intéressantes. Et là, je vois le temps qui file, j'essaie de me dépêcher. Donc, on a aussi une compilation là, où on voit la grenouille trouvarasse. Donc, c'est des livres en lien avec l'alimentation qui ont été déposés sur cet onglet-là. Donc, c'est aidant pour nous. Puis, on n'aurait pas accès à toute cette banque de livres-là si ce n'était pas les nutritionnistes qui sont allés en déposer, les infirmières scolaires, d'autres enseignantes aussi qui sont allées, des hygiénistes dentaires. Donc, c'est vraiment le partage de toutes nos connaissances ensemble qui ont fait que la communauté a pris vie et qu'elle est nourrie. Et finalement, en conclusion, ben, faut pas avoir peur, il faut savoir que seul, quand on travaille tout seul, c'est sûr qu'on va plus vite, mais quand on travaille ensemble, ben, on va beaucoup plus loin, puis c'est beaucoup plus agréable de faire ça. Alors, merci beaucoup.